Qui coule les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va aller mettre les engrais sur nos deux champs. L'épandeur, on avait dit qu'il était là. Hein. On va vendre et on va vendre du matos pour pouvoir après déjà d'une racheter. Alors je vous montre rapidement s'il faut qu'on se dépêche à les mettre hein, parce qu'on est en x5 donc il faut qu'on se dépêche à mettre des engrais pour qu'on soit bien après, qu'on puisse après faire les traitements sur tous nos champs. On va vendre. Chez nous on va vendre. Celui-là. Donc on va se faire un peu plus de 2000 balles. Parce qu'on va aller voir directement au magasin. Celui-là, pour l'instant, je le garde. On verra si je le vu. Après, techniquement, je pourrais le vendre aussi. Quoi. Bon, après, c'est pas ça qui va me rapporter le plus d'argent. On va vendre cette remorque. Donc, on est sur un peu plus de 8000 euros. Et on va vendre celui-là. Ça nous fera un peu plus de 10000 euros. Et on va acheter cette. J'ai regardé, là, vite fait. Alors, au début, je voulais prendre celle-là. Je sais pas. Après, on est sur du 22 000 litres. C'est vrai que c'est intéressant. Mais je me rappelle plus au niveau, voilà, vous voyez, au niveau des options. Brentner, machin. Bon, après, c'est vrai que ça coûte rien. Ah ouais, ça coûte rien. C'est juste des couleurs. Ouais, ça, back fender, fender, no fender. Je sais pas ce que c'est, back fender. Faudrait que je pneu large. Bon, pneu, on reste en standard. Au pire, on a couleur, on la laisse, on la met. Au pire, on va partir sur celle-là. On est sur du 19000 euros. Donc, il nous resterait quasiment 30000 euros. 30000 euros qui nous permettrait, du coup, tout simplement, d'aller acheter cette petite remorque-là. D'aller chercher du pétrole pour pouvoir envoyer tout simplement à. À l'usine de soja, je suis en train de chercher. À l'usine de soja, comme ça on aura déjà mis le gasoil. Oh, putain, ça passe. Bon, j'ai pas nettoyé mon semoir du tout. Pas grave. Putain, je viens de l'éclater contre le mur aussi. On sait qu'il est pas mal ce petit semoir. D'ailleurs, j'ai téléchargé, je sais pas si je l'ai mis dans mes mods. Ah, est-ce qu'il est dans charrue? Ouais, j'ai téléchargé ça. Parce qu'apparemment je pourrais du coup ça ferait vraiment office de labour. On aurait la texture du lasse. Oh putain, 200 chevaux. Ah ouais. Là ils abusent un peu le cul là quand même. Ouais, ils abusent un peu le cul. Mais bon, après faut voir, ça se trouve c'est 200 chevaux marqués sur le papier. Mais il en faut peut-être pas autant pour le tirer. Parce qu'on est en 4 mètres. Nous le semoir il est en 4 mètres hein, si je dis pas de conneries. Donc la herse pardon. Ouais c'est du 4 mètres donc c'est pour ça en fait, pour faire du combiné hein, tout simplement comme ça je mets ça, après je mets la herse et après je peux mettre le semoir. Vous voyez on peut faire du triple in one même hein. Donc du coup sachant qu'après le semoir on partira sur on virera celui qu'on a là et on partira sur celui de qui va avec le DLC Kuhn tout simplement vu que voilà. Vu que voilà. Du coup, j'ai mis aussi dans mes mods. Il est où ? J'ai pas trouvé en fait. Je pensais que j'avais un silo en fait pour faire de l'ensilage. Silo normal, hein, où vous poussez avec après la lame. Ça marche pas. Enfin, c'est que des trucs à placer sous Giant. Et voilà, du coup, j'ai pas envie de placer sous Giant. J'ai envie de le placer ici. Donc, j'ai téléchargé celui-là, fermenteur 5000. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il va falloir y mettre du... Ah non, faut pas mettre du fuel. Faudra y mettre de l'herbe et tout ça, mais bon, c'est 120 000. Donc c'est pas pour tout de suite. Va falloir gagner de la pépette. Et du coup, il faut que je vire ces deux-là de mes mods. Et du coup, j'ai mis ces deux-là. Et du coup, j'ai regardé... bon, c'est 110 000, hein, donc c'est pas pareil, c'est pas pour tout de suite. J'ai regardé techniquement où je pouvais les placer. Et je peux les placer derrière là où on avait dit, derrière la grange là. Alors comme en plus on peut y stocker du vrac à la grange là-bas. Mais voilà, après bon je pense qu'au pire on fera quand même des ballots. Voilà. Ah merde, il faut peut-être mettre les cardans là-dessus. Voilà. Voilà. On marche avant. Ah ouais, j'ai enlevé le truc collision. Je sais pas, t'es plein ou t'es pas plein toi? Bah t'es plein, hein, il me semble.
va faire le plein quand même. Oh putain, ça passe, ça passe. Oh, que bien ça. Voilà, allez. Let's go. On est parti. On va aller mettre des engrais sur nos deux champs. Donc du coup, on avait dit que c'était le champ, je sais plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Type de culture, croissance, composition de la terre. Sur le 10 et le 18. Parce que le 3, il y a. Le 19, il y a. Le champ là qu'on a fait, il y a. Et là, il y a. Donc en fait, on aurait celui-là et celui-là. Au niveau des croissances, ça n'a pas bougé. On est toujours en vert clair, vert clair, vert clair, vert clair. Ouais, okay. Donc on va les faire le 18 en haut. Après, on finira sur celui-là. Après, on va aller vendre du matos. Du coup, voilà. Du coup, on va investir. On va dépenser. On va lancer les usines. Ah, du coup, je me suis aussi mis. On vendra aussi, du coup, et le plateau. Je vous ai montré le plateau à paille. Parce que, voilà, je vous ai posé la question. Savoir si ça vous dérangeait ou pas. En fait, que je passe sur de l'auto. Hein, de l'auto-load. On m'a dit non. Enfin, vous m'avez dit non. Putain. Donc, du coup, je passerai, mais du coup, sur de l'auto-load, tout simplement. J'ai trouvé des petits plateaux sympathiques. Une vingtaine de 1000 euros, une vingtaine de. Ouais, une 20 000, je crois, un truc comme ça. Donc ça pourrait être pas mal. Punaise, espèce de bordel. Non, c'est celui à gauche qu'il faut faire. Waouh. Allez, c'est parti. On met les engrais. Ah ouais, mais il prend large le machin en fait. Il est tout petit, mais il prend large. Hop. Bon, même si on en met dans l'herbe, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Petit apport d'engrais pour le chat. Ah, il va en rester juste la petite pointe là. Bon, mais pour si peu, je vais pas me casser la tête. Ah, c'est pas ça qui va nous changer tout le rendement de soja. Déjà, voilà, là on a un engrais. Hop, c'est bon. Donc là, voilà, le temps il est en x5. Donc après, je vais le remettre en x15. Le temps qu'on aille faire de la vente, tout ça. Vente, aller acheter du coup. On va acheter d'abord. Vu que je, de toute façon, je pense pas. Pas que je ferai des ballots, je pense pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Donc on va acheter la remorque et la cuve à pétrole pour pas que je me retrouve sans remorque, parce que sinon je vais avoir l'air un peu couillon quand je vais devoir moissonner. J'aurai pas de remorque pour convoyer tout le tintouin. Allez, sésame, ouvre-toi. Voilà, merci bien. Et du coup, en fait, voilà, les mélangeurs, je peux les placer ici. Donc, je pense peut-être que je ferai péter l'arbre là. Et j'enlèverai les 2-3 foliages qu'il y a ici, là, sous Giant. Et du coup, je mettrai un petit coup de rouleau après, avec vous. Hein. Je mettrai un petit coup de rouleau pour remettre une texture. Je sais pas, on fera un béton ou j'en sais trop rien encore. Je sais pas trop, j'ai pas pensé encore. J'y ai même pas réfléchi, même pour vous dire. Donc, on verra après par la suite. Et voilà. Et du coup, ouais, y a pas de silo entre guillemets plaçable, parce qu'à mon avis, c'est juste par rapport, pour revenir sur ce fameux silo que j'en trouve pas. C'est juste à mon avis, c'est parce qu'après c'est un problème de sauvegarde en fait, parce que si vous en placez un, ça va, ça marche, y a pas de problème, c'est good. Si vous en placez un deuxième, du coup, vous allez avoir des erreurs dans votre log en fait, simplement parce que et la sauvegarde se fera pas correctement, parce qu'en fait vous aurez deux noms de sauvegarde identiques. Je m'explique pour ceux qui n'ont pas compris. Maintenant dans Farming, vous avez vous pouvez avoir plusieurs entre guillemets, déjà plusieurs silos de stockage, mais il vous faut qu'ils aient pas le même nom. Sinon, ben, du coup, ça revient que vous en avez un et il est dupliqué, c'est le bordel. C'est exactement pareil pour les lumières. Pour avoir 50 lumières, mais faut pas que le truc et le dossier ait le même nom. Hop, on va aller ranger ça. Donc du coup, ben, vu que si vous placez un silo, ça va, ça marchera, il n'y aura pas de problème.
Mais le problème, c'est que si vous prenez un et que vous mettez pareil à côté, et ben, du coup, ben, y aura un problème de sauvegarde. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y en a pas qui sont, ben, qui sont sortis. Putain, il a mis de la boue partout, c'est un foiré. C'est pour ça que, du coup, ben, y a pas. Voilà. Après, sinon, il faudrait avoir un mode par silo, quoi. Ou alors avoir un mode qui fait directement 4 ou 5 silos. Et là, éventuellement, ça pourrait fonctionner. Mais bon, moi, je pensais mettre un silo, et puis après voir s'il nous en fallait un autre, et bon, on aurait acheté un autre, mais bon, c'est pas possible. Donc, du coup, mais j'ai pris le choix de mettre ce mode-là. On est pas dans un truc gratuit, hein, c'est... Il y a un coût. Et on l'a pas pris là, mais c'est pas grave, ça y va bien. Il y a un coût. Par contre, pour la route, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer dans W. Ah, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer pour les traitements. J'ai peur que ça touche. Hop. Hop. Voilà, ça c'est mon tracteur à traitement. Par contre, ouais, il y en reste suffisamment. De toute façon, après, les palettes, elles sont au magasin. Donc, on les ramènera. On les ramènera quand tout simplement on sera. Hop, lui, on va le laisser là pour l'instant. Voilà. Lui, il est prêt pour les traitements. On se remet en x15. On vérifie qu'on soit bien. On est bien en x15, c'est bon. Vous avez peut-être pas pu le voir parce qu'il y a mon logo. Tourne en haut, ça c'est des choses qui sont faites entre guillemets pour éviter qu'on me en gros qu'on me pique les images, les vidéos. C'est juste pour ça, c'est pas pour vous faire chier ni pour faire ma pub, parce que bon, vous savez qui c'est que vous regardez. Voilà, ça fait un truc en fait qu'on peut pas dire, on peut pas me piquer l'image quoi. Parce que si on pique et qu'on l'agrandit, tout de suite ça se voit. Moi après, je connais mes trucs donc. Donc on va partir avec ça. Hop. On va amener là. Il n'y a pas une attelle derrière. Non, pas d'attelle. Parce que ça, j'ai réfléchi, je m'en servirai pas. Ça sert à rien que je le garde. Vu qu'après, de toute façon, on se séparera du semoir. Donc tout ça, on le vire. Ah, lui, il veut pas partir. Hein. Ouais, voilà, on est en train de se coincer. Voilà, c'est magnifique. Là. Lui, il veut pas qu'on s'en aille, il veut pas partir, il veut rester à la maison. Il dit non, pourquoi il me vend et tout. Non, arrête. En plus, en ce moment, il y a une promotion. Bon, ça m'intéresse pas. Parce que c'est du Amazon. Donc, bon, techniquement, des chômeurs, tout ça, j'ai pas besoin. Même les semoirs. Donc, c'est un peu con. Mais bon. Et il y a du massé aussi en. Et il est chelou ce plateau là. Mortel. Allez, on va déjà le vendre à lui. Alors, au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter la remorque. Comme ça, on va la poser. Puis tout à l'heure, on partira directement avec. Ça va me prendre quoi? Ok, nickel. 2464. Et si je le vendais ici, combien je. Est-ce que. Voilà, parce qu'après, est-ce que ça vaut le coup vraiment que j'emmène ici 2400. Ah ouais. On fait 2000. 2000, comme j'ai dit. Ah putain, faut sortir du trigger. 2000, ouais, on fait 410 euros de plus. C'est pas une. Merde. Ok. Donc là, c'est bon. La remorque. On achète la remorque. Ah, c'est pareil, c'est. Putain. Là, c'est vrai que c'est dommage parce que là, vous voyez, on achète à distance ce machin truc. Si je viens ici, je la paierai pas moins cher. Hein. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, ça aurait pu être intéressant. Donc, du coup, voilà, on a ces deux Whiz Break. Ah, ça veut dire que celle-là, elle a le frein. Ah, ouais, celle-là, elle a le frein. Celle-là, elle a pas le. Donc, celle-là, elle a un frein remorque. Ouais, mais j'ai pas envie de tenter l'expérience. Donc on a Brantner News. 2,5 Brantner Old. 1 Brantner Municipal. 3 Farm Tech.
Un Farmtech Green, un Farmtech Municipal, donc je pense que c'est orange. Yellow, 4 holders, puis Gray, PDO, et on va rester là-dessus, on va pas se prendre la tête. De toute façon, après, les trucs sont ouais, c'est faisable de modifier. C'est gratos, donc c'est pas un problème. Après, on a nos fenders, back fender. Je sais pas ce que c'est fender. Fender. C'est 200 balles quand même le machin. Écoute, on va partir sur du fender pour voir. Allez, c'est parti. Hop. Ça dit quoi? Ah. Putain, et on peut pas voir le reste? Merde. Attends. Oui, s'il m'en manque. On m'a oublié sur la remorque. T'as oublié des morceaux. Eh, je pense pas que ça fasse auto-load ça après, non? Fais voir. Fais voir. Ah, attends. Change capacité. Non, mais donc en fait, on s'en fiche. On est parti comme ça. On est parti comme ça. Allez. On s'en fiche. Il n'y a pas. Ouais, déchargé ici. Côté de déchargement arrière. Je pense que c'est Fender. Je sais pas du tout. Peut-être le gyrophare, non? Ah, peut-être l'attelage arrière. Fender, c'est peut-être attelage. Du coup, je pourrais en avoir une autre derrière. Je sais pas du tout. Je ne sais point. Bon, on se retrouve quand même avec une belle petite remorque. Hein, je trouve, ma foi. Qui du coup peut se transformer en plateau et tout. Bon, j'ai pas l'utilité parce que bon, après il y aurait eu de l'autoload à la limite. Ça aurait pu être pas mal. On a plusieurs capacités, donc on peut emmener. Putain, quand j'ai freiné, ça a freiné là. On peut emmener pas mal du coup. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. On va aller la ranger vite fait. On va la ranger où? On a une petite place là. On a une petite place ici. Non, pas dans le poteau, s'il te plaît. Sois mignon. Allez. Sois mignon. Sois mignon. Bon, on vient d'arracher déjà un côté de remorque. Hop. Hop. On va aller chercher du coup. On a le plateau à paille, on a dit. Le plateau à paille. Voilà, tout ça, on se débarrasse. Ça, pour partir sur de l'autoload, la remorque, du coup, on en a plus besoin. Est-ce qu'elle aurait une attelle, ça, là, derrière, ou pas? Ah, il y aurait une attelle. Ouais, mais à mon avis, ça marcherait pour du dolly, ça. On va essayer au pire si on peut. Forte demande au point de vente. Copeaux de bois. On n'a pas de copeaux. Ça, c'est pas encore. C'est pas encore, c'est pas tout de suite. Il y a l'usine. Il y a l'usine à bois, non? Putain, je sais même plus. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. On a... Ah oui, on a l'usine de planches aussi. Mais oui! Bon, du coup, ça vend des copeaux à l'usine de planche. Donc, pas forcément bénef. Enfin, il me semble, après, il faudrait regarder. Mais bon, ça peut nous occuper. Vous voyez, comme par exemple là qu'on est. Là, ça va parce que du coup, on vend, donc on a quelque chose à faire. Mais quand on n'aura rien à faire, du coup, voilà, en attendant que ça pousse. Vu qu'on accélère pas le temps comme des barbares. Là, on n'est pas là pour faire du. Entre guillemets, notre shit. Ah, attendez, si je mets ça. Hop. On va voir si ça peut s'accrocher. Dans mon avis, je pense pas. Oh si, nice. Nice, nice. Ça, c'est impeccable. Une pierre, deux coups. Allez, après on va chercher notre petite cuve à fuel.
Alors là, attendez. Hop, on va mettre les gyrophares. Attendez, excusez-moi, monsieur, mais j'en ai long derrière. Hein. Voilà. Non, si, il faut pas faire le con, quoi. Et on va déjà mais commencer à aller alimenter notre petite usine de soja. Comme ça, après, on y mettra du soja dedans, tout simplement. Hein. Donc, c'est l'usine à soja. Hein. Après, il faudra... Vous voyez, les voitures, comment elles bug. Et voilà, c'est chelou. Ce que je disais à l'épisode précédent, je crois. Mais si vous avez des coups de lac comme ça, par moment, c'est le trafic. Voilà, je sais pas pourquoi, le trafic, des moments, il part en cahouette. Ok. Ça suit bien. On va se remettre sur la première remorque. C'est avec un peu de chance, comme ça, les deux vont se vendre. Hop, bonjour, j'amène encore du matériel. Alors attends, si je veux que ça aille là-bas. Voilà. Je sais pas pourquoi je me mets sur la sélection du matériel, sachant que voilà. Alors. Putain. Eh, hey, elle pèse. Ah putain, c'est chiant ça. Donc du coup, on vend ça. Voilà, comme ça il n'y a plus de problème. On s'écarte, on revient, on vend ça. Et on la vend plus de 1000 euros plus cher. Voilà, du coup, on peut acheter la petite dans les divers. On a tout ce qu'il faut pour les moissons, donc on peut ramasser. Nous reste juste ça à acheter. Voilà, donc on va l'acheter tout de suite. Fais voir un truc. Attends, non, retour. Elle fait le lait aussi. Bon, c'est un peu abusé de transporter du gasoil et du lait, mais bon, après, techniquement. Je crois même qu'elle fait de l'eau, donc. Après, techniquement, on s'en fout un peu. Hein. On n'est pas non plus. Avec les normes. Les normes sanitaires. Ça, après, on pourra aller vendre du lait. Faut que je me mette le stop milk après. Je peux pas descendre. On a un problème. Ah, il y en avait un problème. Yes. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai eu un problème avec mon véhicule. On va sauvegarder. Hein? On va sauvegarder. Je sais pas, il y a un problème. Quand je clique, il y a un problème. Et pourtant, c'est pas Stormwork parce qu'on s'en est servi sur serveur, il y avait pas de soucis. Donc je sais pas. Où c'est qu'on a du pétrole? Où c'est qu'il y a une station? Parce que ça, j'ai pas prêté attention à ça. Est-ce qu'on a du pétrole? Où c'est qu'on a du pétrole? Est-ce qu'on a du pétrole à la ferme, à mon avis, là? Ici, là? On a du pétrole, ici, là. À la station de service. Nous, on est là, donc ça serait par là-bas. Sur notre gauche, une station. Et on a dû passer devant 10 fois, j'ai jamais vu. Quoi. Ah oui, effectivement, on est passé 10 fois devant. MDR, bonjour! Putain, on peut passer ici? Ouais. Ok. Ouais, mais là, ça va nous faire le plein du tracteur, non? Non. Oh. 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 Bon, là, ça nous coûte cher. Techniquement, ça nous coûte cher. Voilà, on est en négatif. Tant qu'à faire, on va faire le plein du tracteur. Hein. Tant pis. Quitte à être dans la merde, on est dans la merde. Après, on va gagner de l'argent, les gens. Après, on va gagner de l'argent. On va être riche après. Bon, là, pour le moment, on est bien. On peut plus rien acheter, c'est pour ça du coup que je voulais acheter la remorque avant, parce que sinon j'allais me faire coincer. Au moins j'ai tout acheté, je suis tranquille, j'ai plus qu'à jouer, j'ai plus qu'à gagner du pognon. Et le plein du tracteur, mon gars, va me coûter plus cher que la machine. On est dans la merde. Nous sommes à moins 1114 euros, c'est super. L'usine de soja, je me rappelle plus. Attendez, je me rappelle plus où elle est. Je me rappelle plus où elle est. Ah, j'ai un trou. J'ai un trou, les gens.
J'ai un trou. Attendez, on va regarder avec ça. L'usine de soja, elle est à gauche ici. Remets-moi la carte en grand. Elle est à gauche ici. Elle est par là-bas alors? Elle est là-bas peut-être? Ah ouais, elle doit être dans les trucs là-bas. Ok, donc faut qu'on retourne sur nos pas. Ok. Ah, c'est bien de repérer le truc quand même. On est à moins 1114 euros. Oh, fuck, fuck, fuck. Plus d'argent. Je suis ruiné. Voilà. D'où le titre de la vidéo, je suis ruiné. Bon d'accord, le titre de la vidéo vient de me venir à ce moment-là, mais... Allons le double, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, et on est déjà à 22... Ouais, 20, 26 minutes de vidéo. Oh putain, c'est chiant ces coups de lag, je pense que je vais désactiver les véhicules. Alors c'est chiant, parce que bon, ça fait une petite animation. Mais c'est vraiment par moment en plus ça le problème, donc est-ce que c'est quand, je sais pas, quand un bug ou... Bon, techniquement, ça serait par là. Hein. Alors, ça va bien parce que du coup, ça serait pas trop loin de la ferme. Putain, et lui, il avance pas une brêle. T'es moins 1100 balles. Oui. Heureusement qu'on peut acheter du gasoil quand on a plus de pognon. Hein, parce que je serais pas dans la merde sinon. Tombe en panne avec les tracteurs. ça serait par là, par là, par là. Je sais qu'il y avait des murs comme ça là. En briques là. Ah, est-ce que je suis en train de regarder, du coup j'entends les voitures d'à côté. Je sais qu'il y avait des murs en briques là. Ça va être la route à droite, je pense, là-bas. Je pense. Voilà, je pense que ouais, ça me plaît bien par là. Je sais qu'il y avait des murs en briques autour que j'avais vu. Alors c'est pas ici. Dites-moi que c'est là. Ouais, c'est celui-là. Ok. Est-ce qu'on peut livrer à 18h? Oh merde. Ah, c'est fermé, con. On ne peut pas livrer, bordel. Ah, c'est bien les usines avec les horaires, mais on est un peu coincé, c'est finiqué. Ah, c'est finiqué. Alors, on peut récupérer marchandises, c'est pas un problème, mais on peut pas balancer, voilà, on peut pas mettre, on peut rien récupérer quoi. Merde. Ah, mais il faut de l'eau aussi. Oh putain. Ouverture de minuit à minuit. Ah putain, c'est que le matin. Tu peux livrer que le matin. Oh merde. Ah merde. Ah, je savais pas ça. Tu peux livrer que le matin. Enfin, le matin entre minuit et midi. Bon. Bah, c'est super. Je crois qu'on est au deuxième stade de culture. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre tracteur ici. Attendez, parce que faut pas que je reste coincé. On va laisser notre tracteur là, quoi. Avec notre gasoil. Tant pis. On va couper le moteur, quand même. Éteindre les gyrophares. Hop, on ferme à clé. Merde. Ah, mais il y a même un compteur là-dessus. Excellent, j'ai jamais fait gaffe. Bon, on va switcher. Pas grave. Oh, punaise. Est-ce qu'on a un automatique sur celui-là ou pas? Je sais même plus à force. Remettre la bâche, ça. On l'avait pas enlevé. Ouais, bien sûr. Est-ce que. C'est par là. Est-ce qu'on va aller à l'autre champ? Il n'y a pas le truc automatique et tout. Baisser, modifier, enlever la bâche. Déployer. Oh. Ah. Ah. Attends, je me rappelle pas de la touche que c'est, donc on va espérer que ça fonctionne. 7 du numpad. Il est plus en automatique là. Là, je vous le dis clairement.
J'ai pas viré le mode pourtant, il me semble pas. Il ne me semble pas l'avoir viré ce mode, parce que de toute façon ça me l'aurait dit quand j'ai lancé ma partie. Attention, vous avez pas, il vous manque tel mode, machin truc. Merde, putain, ça die. Ah, ça die. Alors, c'est que j'ai eu un conflit de mode et. Tout à l'heure ça a bugué. Tout à l'heure. Ah, mais si, regardez, il s'est coupé là. Oh, mais si, bah, je sais pas. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne apparemment, donc c'est bon, c'est cool. Ah, et par contre, ah ouais, on va passer à un stade là. Je vais me faire niquer. Je vais me faire niquer avec le temps. Quoi. On va faire un traitement là, ça va encore repousser aussitôt. Ça va être la merde. Alors c'est pas grave, n'arrête pas le temps, n'arrête pas le temps. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est par contre se mettre juste en x5. Ouais, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'accélérer en x12000. Ouais, on n'y voit pas mieux. Ça avance tranquillement. De toute façon, au niveau de l'usine, on est coincé. Donc on va faire nos traitements de champ. Comme ça, on sera au deuxième stade de ces engrais-là. Hop là! Tac! Voilà, ce champ là il sera terminé. C'est vrai que c'est cool ça, parce que ouais, du coup, au niveau économie de. Allez, là, tac, on en a fini. Hop, on désactive et on se barre. Putain, c'est là que je suis resté planté l'autre jour. C'est bon. On va attendre qu'ils se remplissent correctement. Voilà. Allez, let's go. Let's go, on va aller faire les champs les uns à la suite des autres. Et comme ça, ça sera traité. Pardon, excusez-moi. Désolé. M'en veux pas. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Le mec, il a pas le temps. Hein, il déplie avant d'arriver dans le champ. Attention, hein. Produit toxique, hein. C'est pas bon, hein. C'est du glyphosate. Non, je déconne. Et tu... J'ai pas des OGM, donc si je mets du glypho sur mes sculptures, il va pas rester grand chose. Hein. Ah, je sais pas si vous en avez entendu parler, bon je suppose que oui, hein, l'affaire des glyphosates hein, qui est passée en conseil et tout, machin truc, mais bon ils se sont dit, bon attendez, en fait on va encore réfléchir, hein, on vous laisse encore un peu de temps et continue à l'utiliser. Il n'y a pas de problème en fait, hein. C'est cancérigène mais que sur les produits américains. Hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que nous, si on utilise du glyphosate sur nos cultures, hein, à moins d'utiliser des OGM, bah, techniquement la culture elle est morte. Hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le glyphosate rentre dans. Si vous voulez, il tombe en contact sur la feuille. Une fois qu'il est en contact sur la feuille. Il descend jusqu'aux racines et fait crever la plante de la tête aux pieds. Et quand le glyphosate est passé, il ne reste plus rien. Ça, c'est clair et net. Donc, si nous, on en utilise sur nos cultures, ben, on va avoir un problème, c'est qu'on n'en aura plus. Donc, c'est là qu'il faut arrêter de nous balancer aussi des conneries dans les médias à nous dire que le glyphosate est cancérigène. Donc, certes, il est peut-être cancérigène, je ne dis pas le contraire. Mais faudrait peut-être arrêter d'acheter de la merde qui provient des États-Unis et tout autre où ils utilisent des OGM et qui du coup ben oui, ils ont une résistance à cette matière active là, glyphosate, hein, on s'en dit Roundup. Roundup c'est le nom du produit. Glyphosate c'est sa matière active. C'est vrai qu'il est grand ce pulvé du coup, hein, mais au moins comme ça, c'est vite fait. On va peut-être avoir le temps de tout faire les gens. Il faut que je surveille quand même mon time. Bon d'accord, on en oublie à gauche. Bon, vu que tout à l'heure on en oublie au milieu, bon, c'est pas grave. C'est pas grave techniquement. Donc, je vous rappelle, on a fait une full soja sur ces semis-là. Sauf deux champs où on a fait du maïs et du blé. Donc du coup, on a full soja du coup pour l'usine à soja. On ira envoyer directement la totalité de notre soja à l'usine. Voilà, on n'ira pas en vendre. On va faire le... On va dire entre guillemets le pari d'aller tout balancer là-bas. Et du coup, faire des. Du lait. Ah oui, du coup, le lait, à mon avis, tu le vends beaucoup moins cher. Et on peut pas vendre la bouffe à cochon. Alors, si on pouvait vendre la bouffe à cochon, croyez-moi que ma partie, je serais déjà riche.
Certains savent pourquoi. Je crois que j'en ai oublié au milieu encore là. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut pas faire la bouffe à cochon, hein. Ça m'étonnerait fortement. C'est vrai que du coup, ça serait intéressant qu'il y ait un truc pour vendre la bouffe à gorée. On va traverser par là. De toute façon, c'est chez moi, donc on peut rien me dire. Hop, 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 hop. C'est moi qui prends le risque de me retourner avec mon véhicule et de casser mon matériel. Non, c'est bon, c'est passé. On peut pas le baisser, ça? Ah non, on peut le monter. Il est déjà baissé à fond? Ah non, on pouvait le baisser encore. Non. Donc, ouais, c'est vrai que c'est couillant. S'il y aurait eu la nourriture pour cochon, moi, j'aurais pas... voilà. Ce que j'ai sur Rolf Bergman, pour ceux qui savent, du coup, voilà, j'ai trouvé cette méthode-là, entre guillemets, pour faire du fric sur Rolf Bergman. Si vous voulez faire de l'argent rien qu'avec la bouffe à cochon, vous pouvez. Là, je ne m'en servirai pas outrance comme je m'en suis servi sur Rolf Bergman. Je vendrai essentiellement la bouffe à cochon que j'ai. Mais bon, là, vu que j'envisage d'avoir des cochons, bah, du coup, je vais même pas le vendre. Mais du coup, ça me permet, moi, d'avoir du coup de la bouffe pour cochon. Et que du coup, j'aurais pas besoin d'acheter ni de produire forcément tout ce qu'il faut pour les cochons, c'est-à-dire blé, maïs, soja ou tournesol, enfin tout ça. J'aurais pas besoin de le produire, colza, tout ça pour nourrir mes cochons, vu que j'aurai cette nourriture pour cochons. Donc j'ai juste à produire du soja. Et dans tous les cas, bah, ça me rapportera. Tu remplis tes ailes là? Voilà, merci. Du coup, ça nous rapportera largement assez. Et du coup, c'est cool. Ouais. Par contre, là, on va vite être dans le caca. On va pas avoir le temps de finir, les gens. Et non, on va pas avoir le temps. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter au champ ici. Voilà. On reprendra. Ben là. Il est là, le champ. Papa. J'ai été gêné par les arbres. Du coup, j'ai pas vu l'entrée. Le champ, il est là. Voilà, donc ça c'est le champ de blé. Hein, c'est du blé, hein. Ouais, c'est du blé. Ici on a le champ de blé. Hop. Donc dans le prochain épisode, il nous restera ces deux champs à traiter, hein, si on regarde. Voilà, et là on est en bleu, en demi-foncé, là on est en bleu, enfin, pareil. Donc là on est ici, il nous restera celui-ci et celui-ci à faire. Bon, sachant que, à mon avis, peut-être que ici il y a une prairie, par là il y a peut-être de la prairie. Mais on va pas pousser mémé dans les orties. Ce même ici, je crois qu'il y a encore un champ. Et je sais plus, il y en a un autre. Je crois que c'est par... Oh, je sais plus. Je sais qu'il y en a un autre dans le coin. Mais bon, j'ai dit c'est bon, on va pas abuser. Hein. Après, il faudra qu'on les achète, les champs, quand même. Ça sera pas plus mal. Mais voilà. Donc après, il faudra qu'on voie si on achète champ ou si on part après sur tout ce qui est les usines là-haut. On verra ça. Déjà, on va gagner des sous avec le soja et tout au niveau de l'usine. Et puis, voilà. Parce que, voilà, on sait pas combien on vend le lait. Donc, ça se trouve, on va travailler plus ou moins à perte. Mais bon, on est au moins à... Je crois qu'on est au moins à 1000 euros les 1000 litres. Hein, minimum, je crois que c'est ça. Donc, si à ça, on ajoute la bouffe pour les cochons. C'est 1400 balles les 1000 litres. Donc je pense qu'on est rentable l'un dans l'autre, ça doit être équivalent. Ouais, remarque, sachant qu'on achète du pétrole. Ouais. 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 Et ça nous produit que ça, la machine? Ouais, parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire que je vais... Ah, ça fait du lisier aussi. Lisier qu'on ne peut pas vendre, je crois pas. Non, c'est dans les chapes. Lisier qu'on ne peut pas vendre, parce que bon, ça nous ferait quand même une sorte de revenu en plus. Hein. Lisier qu'on ne peut pas vendre. Non, il n'y a pas de point de vente de lisier. Il y a le poisson et tout, mais il n'y a pas le lisier. Il y a le biogaz, mais bon, on n'a pas... Là, le truc là, c'est le biogaz hein, que je dois placer, mais on n'a toujours pas de truc. Ouais, les copeaux, hey, ils sont à 1000 euros, les copeaux. Ça aurait valu le coup hein, d'avoir du copeau. Donc voilà, tous ces trucs-là, il faudra qu'on s'en produise et tout, quand on n'aura rien à faire pendant des pouces, voilà, il y aura un ou deux épisodes où on fera du bois, machin. Voilà, ça va varier les plaisirs, ça va être cool, ça va être bien. Voilà. Donc moi, les amis, ben voilà.
Je vous dis encore une fois à l'épisode prochain, parce que j'ai aucune question pour vous. Enfin, il me semble pas que je vous ai posé des questions dans cet épisode-là. Si vous en avez posé, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Enfin, vous pouvez quand même commenter en me disant ouais, super, ta vidéo elle était trop bien et tout. Mais voilà, moi en tout cas, je vous fais un gros zoubi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'est tout. N'oubliez pas que je vous aime. Amusez-vous et à très bientôt. Allez, zoubis, amis! Tchuss! Et ouais, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui sont cons, hein, mais 500 euros, plus 500 balles, plus 500 balles, plus 500 balles, et tout ça.